Amen. Amen. Église. Kéché. Mais non, c'est du kéché. Was two links was this? Institution. Was würdest du sagen? Cathédrale, ainsi de suite. Ça non? Que tu es chez un house avec des croix, avec des chenets builders, avec des anges, ainsi de suite. Mais bizarrement, on voit jamais les démons qui sont dehors. Vous êtes passé au Colorado? Le jour que vous allez aller à la Cologne, vous avez même peut-être 40 minutes sortez, aller au Colorado. Vous allez voir la cathédrale de dehors. Et dehors, il y a des démons, il y a des monstres. Moi, je me demande qu'est-ce que les monstres ont à faire avec Elohim. Si c'est ça la raison de Elohim. Ouais, un peu. Et voilà. Et on associe ça à ça. Et ça va nous aider. C'est pas que j'ai parlé tout à l'heure de grec et tout. C'est pas qu'on veut maintenant commencer à parler en grec. Non, mais quand on rentre dans le grec, on a vraiment souvent la signification correcte. Exact. Et le grec est plus riche. Et c'est celui. Wenn du das Deutsch, ich mache ein Beispiel, Deutsch und Französisch. Schloss. Ich habe ein Schloss. Si tu veux traduire en français, tu vas dire comment? Château. Oui. Oder? Oder was? Parce que ça peut être le château, mais chacun a un château. Chacun a un schloss. Cadena. Tu vois? Hein? Tu vois, non? Et ça veut dire que maintenant, quand on reparle les Grecs, ça nous fait la même chose. Toi, dis, précise et basé sur. Ouais, non? Quand on dit Schloss, ça peut être Schloss le château, ça peut aussi Schloss le cadenas. Et maintenant, c'est pour ça qu'on rentre dans les Grecs pour comprendre même la signification, on dit quoi, étymologisant. Bon. Et voilà.
Et maintenant, quand pour ceux qui ont déjà reçu, peuvent bien, hein, vidéo, église, ça vient de quel mot? Église. Ça s'écrit comment? Église. Yeah. Maman Céline? Maman. C'est maman Marcel qui nous dit, et comment? On est Marcel. S-I-A. En griechisch, ecclesia. Ok? Mm-hmm. Le mot église, c'est le mot grec, ecclesia. Et ce mot vient de quel mot? Ceux qui aiment lire la Bible, lisez la Bible. Je suis sûr que Matthieu m'a dit. Quel livre? Ok, Matthieu, verset? Chapitre 7, verset 18. Ok. Matthieu, c'est le verset qu'on va prendre? Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Quand on va demander église en grec, ça veut dire quoi? Ouais, non? Non. La parole dit que mon peuple paye par. Et c'est ça. Donc, on veut donner la connaissance gratuite. Voilà. Si aujourd'hui je peux me tenir devant vous parler, ça c'est parce que c'est pas que c'est tombé du ciel, mais j'ai été aussi enseigné. Ça va vérifier. Les bérets, les bérets ici. Les disciples de bérets. C'est ça, non? Ok. Je dis non, c'est le psaume 172. Tu vas commencer à chercher. Tu écris moi 72. Ok, il n'y a même pas le psaume 72. Le psaume, ça termine dans quel livre? 172. Ok. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Un mot en Dutch, un mot en français, vas-y. Et que sur ces rochers, je bâtirai mon ensemble. Et les portes de la Hades ne prévaudront pas contre elle. Là, c'est qui parle? C'est Yoshua qui parle. Il dit, et moi, je te dis, que toi tu es, et sur ce roc, je bâtirai mon église. C'est ça, non? Et les portes de Hades, mais les portes de l'enfer, c'est ça, non? Auf Deutsch? Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Okay. Quelle version du sais, non? En français ou en allemand? En allemand. En français, sorry. Lui, c'est grand. Et moi, je te dis que tu es fier et que tu es fier de bâtir mon église. Ok, c'est ça que je voulais goûter. Moi, je te dis que toi, tu es Pierre. Et sur cette Pierre. Et c'est là où sort la doctrine que c'était Pierre, qui est l'apôtre Pierre, qui est le père des églises. Donc, c'est faux. Je vais faire une version négligeable. Je vais sur ta propre liste. Ici, on a dit Pierre, ça, non? Là-bas, on a dit que toi, tu es Pierre. Mais sur ce roc,
Ouais. Mm-hmm. Parce que Pierre, si on traduit aussi, c'est Petros. Petros. Apôtre Pierre, la personne. Oui. Petros. Mm-hmm. Toi, tu es Petros. Mais sur Petra, mm-hmm. ce grand rocher, mm-hmm. j'ai bâti mon église, pas sur Pierre. Mm-hmm. Vous voyez un peu mm-hmm. la raison pour laquelle on rentre un peu, on essaie un peu de rentrer dans le grec pour mieux comprendre. Et ça veut dire que Pierre, non, c'est pas lui, c'est pas celui que l'église a été bâtie, mais sur ce grand rocher, la pierre principale. Vous voyez un peu la pierre angulaire, le rocher des âges. Vous connaissez? C'est qui? C'est lui-même. Voyons, on peut voir ça dans Actes des Apôtres, verset 4. On va lire à partir du verset 12. Un exemple. À partir du verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 10. Qu'il soit connu de vous tous mm-hmm. et de tout le peuple d'Israël, mm-hmm. que c'est par le nom de Yeshua Mashiach. Okay. Qui ne connaît pas le nom de Yeshua? Sorry. Qui ne connaît pas le nom de Yeshua? Yeshua, c'est qui? Bah, vu que Zach visite, Machine de l'Oeil, on est plusieurs. Yeshua, c'est qui? Jésus. Celui qu'on connaît en tant que Jésus, ouais, non mm-hmm. c'est, quand on parle de Yeshua, c'est-à-dire qu'on parle de celui qu'on connaît en tant que Jésus. Mm-hmm. On peut continuer. C'est Yeshua Mashiach mm-hmm. de Nazareth mm-hmm. que vous avez crucifié mm-hmm. et que Elohim a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri de moi. On continue. C'est lui, la pierre maîtrisée mm-hmm. par vous qui bâtissez, mm-hmm. qui est devenue la pierre principale de l'homme. Mm-hmm. Et il n'y a de salut à aucun autre. Là, on parle de pierre, non? Celui qui est cette pierre qu'on a rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Vous voyez, non mm-hmm. Ok, on continue. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lesquels nous devions être sauvés. Aucun autre nom, ça. Demande le nom de qui? De Yeshua. On parle de lui, c'est lui qui est cette pierre principale. Il y a encore d'autres versets où, même dans l'Alliance, on dit que, on peut voir, par exemple, et moi je te dis que tu es pierre, on voit. Chez Esaïe 17, verset 10, par exemple. Esaïe 17, verset 10. Jesaja 17, Vers 10. Ja, du hast vergessen den Gott, also Elohim, deines Heils, und nicht gedacht an den Felsen deiner Zuflucht. An den Felsen deiner Zuflucht. En français, on a dit quoi? Jesaja 17, 10. Parce que tu as oublié Elohim de ton salut et que tu n'étais pas souvenu du rocher de ta force. Le rocher de notre force, c'est qui? C'est Yahweh lui-même. Ouais, non? Ça nous montre que. Ça vous, écrivez le verset là de. Ce verset. À ce complet, ça va vous aider. Vous voyez, moi, ce que je vais faire. Ça va nous aider à bien expliquer que tu es. Que. Donc, et je. Je Matthieu 16.
vous aide à mieux comprendre. Vous voyez, ici on a expliqué, parce que si vous avez écrit, vous le dites. Il faut que le Seigneur m'ait dit, il fait les autres aussi des disciples. Il dit, demain aussi, toi aussi tu pourras aller et de faire aussi d'autres personnes aussi des disciples. Tu vois, ouais, dans ce style. Ça sert à rien que si moi je veux être prédicateur seul, mais j'ai beaucoup de travail. Mais sûr, si on est une armée de 1 million, c'est bon, non? Ça se multiplie, tu sais, automatiquement. Est-ce que le Seigneur était égoïste? Est-ce qu'il allait les former les 12? Il les a formés, non? Pour qu'eux aussi, ils forment les autres. C'est ça. Là, le Seigneur dit, Seigneur, moi, je t'ai dit que toi, tu es Pierre. Petros, ce petit caillou. Petros, c'est un petit caillou, un Einstein. Ah bah, sur ce roc, Petra, le nom Petra. Alors, allez, Franck, pourquoi c'est Petra? C'est un gros rocher roc. Moi, je connais un Petra, elle est vraiment... Hâte de France. Sûrement ça vient de son nom. Je bâtirai mon né. Son église ou bien mon église. L'église de qui? L'église appartient à qui? Il n'a pas dit mes églises. Mon église. Vous voyez un peu? Si on parle, comme on disait tout à l'heure, des bâtiments, chaque bâtiment a sa doctrine. Benenum. Nous on est. Orthodoxe, pentecôtiste, bima, comment on appelle ça, néo-apostolique. Vous voyez un peu? Il y a plusieurs. Mais ici, il a dit, je bâtirai moi, mon église. Et maintenant, on se pose la question, Belche, font des églises dans vie. Même. Vous voyez bien? Belche. Est-ce que vous souffrez le nom? Belche. Je bâtirai mon église, mon église, et les portes de ma fille, mon église, also eine, et ici on voit les portes. De l'autre côté, il y a plusieurs portes. Les portes de l'enfer, mais de Hadès. Hadès, c'est traduit en grec. Et en français, Hadès donne en père. Ne prévaudront pas contre son église. Welche Gemeinde kommt der Hölle? Katholisch, évangélique. Oh, d'autres aussi vont dire que non, Mecca, là-bas c'est là-bas qu'il faut aller pèlerinage, c'est comment on appelle ça. Si c'est à Lourdes, welche? C'est une zone où je suis en train de me voir, c'est même les gens qui se disent de réveil. Il sort de là-bas, après l'autre, c'est montagne de feu. Oh, l'église des saints. Vous voyez un peu? Welche. Oh, prophète Intel. Oh, prophète Intel. Oh, ministry Intel. Welche. Il m'a dit, comment t'es parce que chacun, c'est pour être dans la dans le vrai. Dans le vrai. Mais ici, il a bien dit que l'église, lui, appartient déjà à lui seul, parce qu'il ne partage pas sa gloire. Et c'est ça l'église que vous avez cherché. Bien, c'est ce que je frage ça. Bist du in der Gemeinde oder bist du in der Gemeinde von. Bon. Bist du in seiner Gemeinde? Sind wir in seiner Gemeinde? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que c'est ça l'église qu'on va venir chercher. Ouais, non? Pour être membre de cette église-là, c'est où qu'on s'inscrit? C'est où il y a le formulaire? Oh, membre, carte de membre. Parce que moi je vais aller. Quand il va venir chercher l'église, moi je vais être là. Voici les conditions. Ouais, un peu. Voici les conditions damit ich Mitglied werde dieser Gemeinde. Et maintenant on va expliquer un peu ce mot Ecclesia. Amen. Ecclesia, on voit ici et là, il y a deux cas. Ceux qui partagent ici, ceux qui ont déjà reçu, bien de même. Et qui veut dire quoi? Ordre. Et Ecclésis veut dire? Appeler.
C'est-à-dire, il y a deux cas, ce sont deux mots. Mm. Ils ont mis ça, ils ont combiné ça, ça donnait le mot ecclésia. Oui, ecclésia. Amen. Amen. On dit or, telle partie ici. Je vais dire. Non, bon. Est-ce ordre. Ça, hein? Mm-hmm. Et ça, à peine. C'est pas écrit. Non? Mm-hmm. Pas tout. Mm-hmm. À peine. Oui, mais comme ça. Ordre et à appel. C'est un caractère comme église, Gemeinde, Gruppe. C'est là où sort le mot église. Le nom, quand chaque nom a son caractère. Moi, je peux peut-être que c'est Patrice. Ça, non? Tu connais la signification de ton nom? Oui, tu vois, c'est ce qu'on appelle. On appelle aussi. La signification, tu vois un peu? Et c'est pour ça que vous voyez qu'on a parlé de Yeshua. Parce que le salut vient des Juifs. Et Yeshua, c'est un nom juif. Et qu'est-ce que les gens qui ont fait, qui traduisaient la Bible, ils ont traduit ce nom en grec. Ok, notre frère Patrice, ici, même s'il a quitté. Supposons qu'il a quitté l'Afrique et est venu ici. Les Allemands vont toujours l'appeler Patrice. Oda? Ils vont dire non. Patrice, je suis une naine. Patrick. Non, Oda? Ça reste Patrice, non? Même s'ils écrivent un livre sur toi, ils vont toujours écrire Patrice. C'est-à-dire, on ne traduit pas les noms. Et son nom, c'est Yeshua. Fades. Yude, Yvesen. Ouais, non? Et c'est même pas quelque chose qui est caché parce qu'on le connaît. Mais on nous a mis dans la tête que c'est Jésus, quoi. Donc son vrai nom, c'est Yeshua. Et Messie veut dire Mashiach. Est-ce que vous ne trouvez pas quand on dit Yeshua parce que c'est son nom? Amen? Et maintenant, vous comprenez aussi? Ecclésia? Allez, dit Ec. Le mot Église veut dire hors de appeler. Ça veut dire l'Église sont les personnes qui sont appelées de sortir de quelque chose. Amen. Amen. Qui les appelle? Le propriétaire de l'église. Yeshua les appelle. Et il a dit que il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Enfin, quiconque en lui ne périsse pas. Mais qui est la vie. Et l'appel est lancé à qui? À tout le monde. Les cinq continents, hommes, femmes, riches, pauvres, noirs, blancs, jaunes, malades, non pas malades, handicapés ou pas. Tout le monde. Ouais, non? L'appel est lancé à tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu des. Mais l'appel est lancé à tout le monde. Et ces personnes sont appelées de sortir. L'église est composée des personnes qui ont répondu à l'appel et qui sont sorties. De quelque part. Ouais, non? Et déjà, pour pouvoir répondre à l'appel, il faut avoir des oreilles. Il faut écouter, non? Oui. Tu peux aussi écouter, mais tu ne comprends pas. C'est dans quel livre? Genèse. Moi, je n'ai pas de problème, si c'est dans Genèse. Parce que moi, je ne connais pas toute la Bible. Hein. Chemin Israël, c'est dans quel livre? Deutéronome. Combien? 6. Ok, on va lire. Ah, je crois que c'est Deutéronome 6-4. Ok, parce qu'on parlait de appel. Et pour pouvoir répondre à l'appel, il faut. Écoutez, on va prendre. Deutéronome 6, verset 4. Fünfte Mose, Kapitel 6, Vers 4. Melina, möchtest du super, Melina? Das ist bien. Ich will die Lektüre. Celui qui a trouvé en français peut lire. Nous allons attendre notre sœur Melina va lire en Deutsch. Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu.
Tu vas appeler plus fort avant de leur fille, s'il te plaît. Écoute Israël. Écoute Israël. Ok? Là, c'est Yahweh qui parle à son peuple qu'il a choisi. Israël. Il dit, écoute Israël. Yahweh notre Elohim. Mm-hmm. Yahweh est un. Il n'est pas trois, mais il est. Uh-huh. Il n'est pas aussi trois en un, mais il est. Uh-huh. Le un, là, veut dire indivisible. Uh-huh. Vois un peu? Le frère Patrice, comme il a dit, il est mon frère. Uh-huh. Il est fils de sa maman, uh-huh. Le fils de son père. Uh-huh. Les grands frères de ses petites soeurs. Uh-huh. Les petits, non, les petits. Tu vois un peu? Uh-huh. Mais il n'est pas dix. Uh-huh. Tu es toujours un, non? Uh-huh. C'est ça, non? Uh-huh. Et c'est comme ça que Yeshua, il est. L'eau de vie. Hein? Uh-huh. Et lui, on a trouvé les Judas. Le feu dévorant. L'agneau immolé. Hein? Beaucoup, il est infini. Mais il est toujours. Écoute Israël. Maintenant, quand on met ça en hébreu, c'est Shema. Et le Shema veut dire écouter et comprendre. Parce que je peux venir, je dis Previet. Tu as compris, non? Tu as écouté, non? Rigole. Previet. On a répondu, non? Previet. Vous voyez, non? Mais elle peut répéter. Mais est-ce qu'elle a compris ce que j'ai dit? Non. Vous voyez, non? Mais le mélange, je crois que vous dites écouter et comprendre. Or, je l'ai dit, goûte ta gaffe aussi. Vous voyez, non? Elle russe, si elle répond facilement, elle a dit facilement, même toute la phrase, c'est moi qu'elle est bloquée. Et maintenant, le choix veut dire écouter et comprendre. Alors, il dit, les personnes sont des personnes qui ont écouté et qui ont compris. Mm-hmm. Pas après, ils ont obéi. Mm-hmm. Vous voyez un peu? Mm-hmm. Ils ont obéi, ils ont répondu à l'appel qui a été lancé. Sortez, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Et c'est ça? Non, hors de quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Mm-hmm. Hors de quoi maintenant? Faites une idée. Une idée. Hors de quoi? Hmm? Ok, le frère dit hors de péché. Maintenant, le péché, c'est quoi? Parce que moi, je connais une personne qui fraudait, par exemple, pour aller à l'assemblée. Le dimanche. Il dit que je fais un sacrifice. J'ai pas d'argent, mais je vais aller prier. Ouais, non? Mm-hmm. C'est un péché ou pas? C'est un péché. C'est quand même un péché. Hmm? Oui. Si, c'est un péché. Ouais, un peu? Mm-hmm. Pourquoi je fais? Je fais exprès. Mm-hmm. Demain, si vous allez prêcher, non? Mm-hmm. Et si tu dis moi péché? Peut-être une personne qui est là qui fait ça, mais quand tu dis péché, lui, pour lui, c'est pas un péché. Mm-hmm. Parfois, souvent, il faut creuser, citer les choses par son nom. Mm-hmm. Et la personne va découvrir que, hé, il vient d'adrener, je vous sens, merci mon frère, moi, je ne savais pas. Mm-hmm. Ouais, non? Mm-hmm. Donc, quand tu dis moi péché, l'autre va dire que moi je fume, hein, je fais du mal à personne, je fais ça pour moi. Mm-hmm. Vous, c'est un douche libre. Ouais, non? Mmh. Hors du péché. Ok. Maintenant, ça c'est un gros mot. Mmh. Par exemple, quel péché? Oh, du mensonge. Du mensonge. Voilà. La convoitise. Vous pouvez écrire ça. Avec l'église est composée des personnes qui ont appelé, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont répondu et ils commencent à sortir la vie du péché, comme par exemple le mensonge. Idolâtrie. Pardon? Idolâtrie. Idolâtrie. Idolâtrie, c'est quoi? Moi, je ne connaissais pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est un mot terrible. L'idolâtrie, par exemple. Par exemple, tu veux quelque chose sur le plan spirituel. Par exemple, tu dis bon, je veux avoir du travail, par exemple. Et tu demandes à Dieu, tu pries, tu gèles. Et Dieu, il t'exauce, il donne le travail. Mmh. Et après, le travail, maintenant. Tu es bien payé, tu achètes une carrosse, tu roules. Mm-hmm. Maintenant, le dimanche, au lieu de venir à l'église, où tu venais ouvrir l'assemblée, où tu venais pour prier avec tes frères, mm-hmm. tu ne viens plus. Mm-hmm. Si on te demande, tu dis que tu n'as plus le temps parce que le travail te prend plus de temps. Mm-hmm. Donc, c'est ton travail maintenant qui est devenu quelque chose que tu aimes, que tu adores. Quel homme? Donc, ça c'est aussi une forme d'idolâtrie. Non, c'est vraiment l'idolâtrie. Pas une forme, mais l'idolâtrie veut dire si tu aimes quelque chose plus que Elohim. Et ça peut être la voiture, ça peut être ton enfant, ça peut être toi, mais ta beauté. Hein? Je peux faire passer 4 heures devant les miroirs. Je vous dis.
Je regarde ici, je regarde ici, je regarde ici. C'est l'idolâtrie. Beaucoup vont devenir idolâtres d'eux-mêmes, la parole dit. Ouais, non? Tout ce que tu aimes à la place de l'Orim, plus que l'Orim, c'est l'idolâtrie. Tu peux aimer ton portable plus que l'Orim. Tu peux aimer ton argent plus que l'Orim. Aimer ton travail, l'Orim. Aimer ta voiture plus que l'Orim. Il y a des personnes, quand ils écoutent ce matin, ils tac dehors, ils regardent direct, ils me font ça. Ouais, ils ne dorment pas à cause de sa voiture, c'est moi. Il a peur. Ouais. Il y a d'autres qui aiment leur maison plus que l'Orim. Et c'est ça. Tout ce qu'on aime, parce que lui, c'est l'idolâtrie. Et le Seigneur nous appelle de sortir de l'idolâtrie. Sortir du mensonge. Maintenant, comment tu vas faire, par exemple, si on te met la pression, tu fais comment? Dire la vérité. Ouais, parce que sous pression, tu fais comment? Tu sais, quand tu es sous pression, tu vas me démentir, tu fais comment? Non plus. Non, je dis seulement. C'est ça, parce qu'il est la vérité. Vous voyez un peu? On va voir ça vite fait dans Apocalypse 22. À partir du verset 11, on a parlé ça tout à l'heure. Apocalypse 22, verset 11. Also, Offenbarung 22. Oh, déjà, pour quelqu'un qui s'est dit, tu as parlé tout à l'heure de... Apocalypse. Attends, pour quelqu'un qui s'est dit, tu disais que c'est ce qu'on vit en actuel, eux, c'est l'apocalypse. C'est ça que tu disais? Ah oui, l'apocalypse. Ok, l'apocalypse veut dire quoi? Révélation. Révélation. Mais regarde ce que la télévision nous présente. Apocalypse. La fin du monde. Tu vois que tout se casse. Ouais, un peu. Les maisons se cassent, donc ça n'a rien à voir avec ça. L'apocalypse veut simplement dire révélation. Voilà. La révélation, on révèle quelque chose qui était caché. Et vous allez voir dans Apocalypse. Et il y a des années, ça va venir, mais je t'aime comment il y a le corona qui va venir. RT va faire ça. Apocalypse, on montre toutes les catastrophes. Ok, ça n'a rien à voir avec ça. Quand vous prenez Apocalypse en anglais, ça veut dire quoi? Revelation. Of Deutsch, Offenbarung. On n'a pas dit Zerstörung, on n'a pas dit Weibe. Ou la Ende der Welt. Mais Offenbarung. Une information. Une fois une information. Apocalypse 22, verset 11. Quoi dire? Apocalypse 22. Yeah? Parce qu'on parlait du mensonge. Oui. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Apocalypse, ça, c'est le dernier livre de la Bible. Ouais, un peu. Dans la Bible, il y a combien de livres? La Bible. 66. Zisha. Ok, c'est bon, je suis d'accord. Lex Retribution. Et l'Apocalypse, c'est le dernier. Il a parlé déjà aux Genèse, les Genèse, Exode, Lévitique, nom, on va être en faute. Maintenant, là, il a changé de ton. Il a dit, quel problème? J'ai parlé maintenant, ici, là. Celui qui est encore injuste, ouais, un peu. Celui qui est saint, se sanctifie encore. C'est ça, non? Après, continue. Il dit que celui qui agit injustement, injuste encore injuste. Que celui qui est suyé, se suit encore. Et que celui qui est juste, pratique encore la justice. Et que celui qui est saint, se sanctifie encore. Ok, continue. Voici, je viens à toute vitesse. Et ma rétribution est avec moi. Et quand il vient, c'est bon pour ce but aussi. Hein? Oh, chercher ça. Son église. C'est ça, non? Oui. Ok. Ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son nom. Continue. Mais je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui observent ces commandements. Bénis sont ceux qui ont des millions sur le compte. C'est ça qu'on a écrit, non? Bénis sont ceux qui ont eu des triples cette année. Non. Des jumeaux. Hein? Ceux qui ont acheté Mercedes. Non. Ceux qui ont mis, c'est quoi, Amani, c'est quoi, ceux qui sont bénis. Hein? Versace. Bénis sont ceux
qui observe de ses commandements, qui obéit à qui garde ses commandements. C'est ça la vraie bénédiction. Quand tu as Yoshua dans ton cœur. Dans ton cœur. Mm. Ouais, un peu. Mm. On a vu beaucoup de millionnaires se tuer. Mm. On a vu beaucoup de stars se suicider. Mm. Ok, mais toi tu l'as envie, tu dis, oh mais lui il est bien, c'est moi qui ai sa place. Mais lui maintenant, qui est à la place là que toi tu voulais être, il n'est pas à l'aise. Ça veut dire que ce n'est pas la bénédiction. Mm. Ils ne sont pas bien. Déjà, tu ne sais même pas comment il l'a fait pour arriver là où il est. Mm. Combien de personnes ont voulu avoir, je ne sais pas quoi, des voies pour être ingénieur, ils sont devenus enfin ingénieurs. Abadan, tu vois, moi qui dis, non, c'est pas ça, vas-y, mm-hmm. Mais fais toi, je suis pas comme. Ah ben, je suis pas satisfait, je suis pas rempli. Mm-hmm. Ouais, un peu. Mm-hmm. Je voulais me marier, ah, mariage, ah, mariage est venu. Mm-hmm. Après, tu vois, oh, mais c'est pas un sommet, c'est pas la finale, vois, un peu. Mm-hmm. Espèce d'envoi. Après, toi, tu crois que ce sont les enfants. Bon, enfants, bah, on te donne trois même. Ah. Après, tu dis, mais c'est comme ça les enfants, mais c'est chiant, hein? C'est chaud. Ouais, non? Oui. La vraie bénédiction, ce n'est pas des choses matérielles. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Mm-hmm. Parce que nous, là, on n'était pas bénis. Mm-hmm. Mais moi, je suis plus riche que Bill Gates, comme vous voyez là. Mm-hmm. Plus riche que les grands, grands là, mm-hmm. soi-disant. Mm-hmm. Mais les vrais grands là sont ceux qui ont du pas cher à leur vie. Amen. La vraie richesse. Mm-hmm. Ouais, non? Mm-hmm. Bénis sont ceux qui gardent. Ok, continue. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes dans la cité. Mm-hmm. Mais seront laissés dehors les chiens. Les chiens, pourquoi les chiens? C'est les chiens là qu'on voit ici, les Dutch, les best friends for men. On parle de ces chiens là. Donc, moi, ma sœur dit non, elle a raison, mais warum? Les chiens sont qui? Peut-être parce que ceux qui retournent à ceux qui sont venus. Ok. Vous êtes d'accord? Mm-hmm. Il faut prouver maintenant. C'est écrit où? 1 Pierre 5, 17, je crois. Quand même, moi, je te... On va vérifier. 1 Pierre, il a dit? 5, 17. On a dit que les chiens. Dehors, les chiens. Mm-hmm. Ouais, c'est important de savoir ça, non? Frère, c'est ça, non? Vas-y, en fait, demain, toi, tu fais pas ça, tu pries. Explique-moi un peu dehors les chiens, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'ai mon chien ici. J'ai même quatre. Mais si moi, j'ai rembourser. Et mes chiens vont pas rentrer. C'est de ça qu'on parle. Mais là, il faut expliquer à la personne. Ouais, ben, les chiens, elle veut dire quoi? T'as dit quoi? Et puis, combien? Ok, c'est dans 2 Pierre. 2 Pierre, c'est quand ça m'aide? 2 Pierre. Chapitre 2, verset 22. 2 Pierre. 2 Pierre 2. Es ist ihnen aber nach dem warmen Sprichwort ergangen. Der Hund kriegt wieder zum seinen eigenen Geschrei und die gewachsene Sau zum seltsamen Kot. Ok, en français. Parce que l'allemand, ça c'était un vrai, vrai allemand, là, c'est... Mais c'est conduit par un proverbe véritable. Verset 22. Attendez un peu, t'as trouvé? Le dernier verset. Ok. Tu peux le lire? Vraiment, c'est pas plus. Mais c'est conduit par un proverbe véritable. Mm-hmm. L'air est arrivé. Les chiens est retourné à son propre vomissement. C'est qu'il a vomi. Mm-hmm. C'est une personne aussi qui a vomi les choses que le Seigneur a voulu qu'il vomisse. Mm-hmm. Ouais, un peu. Mm-hmm. Il est sorti. Mais ce chien, cette personne qu'on appelle les chiens, c'est une personne qui est retournée à ses vomissements. Mm-hmm. Donc, on a dit les personnes qui vont retourner aux choses qu'ils ont renoncées. Non. Dehors. Ouais, un peu. Eux, les chiens. On a dit même, on a continué, on parle même de Schwein. 22. Les sorciers. Non, attends, tu es né. Moi, je parle de. Alors, 2 Pierre 22, c'est pas terminé. 2 Pierre 2, 22. Oui, hein. Fais pas ton cerveau là, dans les 2 Pierre 2. Tu peux continuer. Les gens lisent son propre vomissement et la truite lavée et retournée s'est vautrée dans la boue. C'est ça, le Schwein, là, il aime tellement la saleté. Il aime tellement la boue que tu peux le laver. Il va faire quoi? Il va retourner dans la bouche. Et ces gens, personnes qui ont ce genre de caractère, n'héritent pas le royaume. Ils ont renoncé à l'appel.
Vous voyez un peu? Ça fait automatiquement, ils ne sont pas membres de son église. Église de Yoshua. Amen. Amen. On continue dans. Parce qu'on parlait de mensonge, on continue dans Apocalypse. On retourne là-bas. Apocalypse 22, verset combien? 15 maintenant. Merci, verset 15. Apocalypse 22, verset 15. Mais c'est bon, j'ai fait dehors les chefs. Attends, attends d'abord que tout le monde trouve. Verset 15, il y a. Oui. Oui, là, mais je suis vraiment. Oui. Il y en a. J'ai choisi. Tu vois, vous l'avez trouvé, Apocalypse 22, à partir de verset 15, on continue. Oui. Mais seront laissés dehors les chiens. Les chiens, ok, dehors. Ok, qui encore? Les sorciers. Les sorciers, qui encore? Les fornicateurs. Attends d'abord, les sorciers. Un sorcier, c'est quoi? Sortir de son âme. Ok, parle fort. Sortir de son corps. Son âme. Les gens qui sortent, on va voter les gens, je suis d'accord avec toi. Ça commence par quoi? La société commence par quoi? Quelqu'un qui passe mal de vous. Tu marches plus. Vous voyez un peu? Mm-hmm. On va prendre 15-22, je crois. Là, on veut parler de la sorcellerie. Ok? Mm-hmm. Auch eine Art von sorcellerie, aux yeux de Yahweh. 1 Samuel 15, verset 22. C'est bien, c'est bien que vous posez la question. 1 Samuel 15, verset 22. Moi, je me rends là, je vais dire ça. T'as trouvé? Kapitel 15, Vers 22. Ich lese es auf Deutsch. 22. Ja? 15, 22. Wer hat es aber sprach zu Saul, hat der Herr das Gefühl wohlgefallen an Schlachtopfer und Brandopfer, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehört. Sie gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Volkskrank, als besser als Fett und Liebe. Amen. Amen. En français? Verset 22. Peut-être je peux lire? Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. On continue? Car la désobéissance est aussi coupable de la divination. Comment la divination? La sorcellerie, non? Je dois l'arrêter un moment. Car la rébellion est un péché autant que la divination. Vous voyez un peu? Une personne qui a écouté, qui a compris, mais qui se rébelle, s'oppose, il est égal au sorcier. Tu vois un peu? On a peur, ah non, les sorciers, ah les sorciers, non, fais attention, mais alors que c'est la personne qui est désobéissante, et comme lui. Voilà les vrais sorciers. Ouais, non? On a dit dehors, pourquoi je parlais de ça? On a dit dehors les chiens, ainsi de suite, et les oiseaux, et les sorciers. On retourne encore dans Apocalypse 22. Parce qu'on parlait du mensonge, je n'ai pas encore arrivé là-bas.
Toujours verset 15, c'est ça? Oui. Toujours verset 15. Oui. Apocalypse, verset 15. Mm-hmm. Les fornicateurs. Les fornicateurs, la fornication, c'est quoi? La fornication. Auf Deutsch, comme dit, geschrieben? Und? Bitte? Unzucht. Ok? C'est quoi la fornication? Même Unzucht, là, pour moi, qui parle allemand chaque jour. Si on me dit Unzucht. Ouais, un peu? Je ne peux pas te marier et sortir aussi. Hurarai. Ce mot, là, quand tu vas dans le grec, ça donne pornéa. Et pour ceux qui ont compris, ça dit déjà tout. Ouais, non? C'est là où sort le mot porno. Hurarai. Comment dire ça? Les relations sexuelles illicites, c'est comme ça, non? Ça peut être hors mariage, femme, avec les animaux, et ainsi de suite. La masturbation. Voilà un peu. Et ces gens-là qui font ça, est-ce qu'ils font membre de cette église? Non. Voilà, il a dit dehors. Hein? Ouais, non? Oh non, un coup, c'est ce chelem. Quel un coup, c'est ce chelem? Qui t'a dit ça? Quand on dit que non, on veut voir les signes que les gens sont mariés, on demande quoi? On demande à des gens de se coucher ensemble, on demande de faire bisous. Bisous, non? C'est là que ça commence, non? Aufpassen. On ne blague pas avec l'éternité. Vous voyez, non? Tu veux gâcher ta éternité à cause des sentiments de la chair. Oh, ça va passer. Un plaisir de quelques secondes va te faire rater l'éternité avec le Seigneur. Peut te faire rater l'éternité avec le Seigneur. Vous voyez un peu? On a dit qu'on va aller au ciel, on a levé les mains. Il y a un prix à payer. Il faut payer le prix. On a dit que la crainte de Yahweh, c'est la haine du à ses yeux. Tout ce qui est mal à ses yeux. Il faut haïr. Si tu n'avais pas cette haine par rapport à ces choses, il faut demander que je vais dégoûter de la fornication. Crée-moi ce dégoût. Je vais haïr ça. Vous voyez un peu? On continue la fornication? Les meurtriers. Les meurtriers. Un meurtrier, c'est un meurtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tue une autre personne. Tu dis? C'est quand on tue. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est quand on tue une personne. Oui. Ok? On parle du meurtre, on va prendre maintenant 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean. Merde. Le livre de 1 Jean, là, c'est à la fin. Est-ce Johannes? Voilà. Am Ende. Est-ce Johannes 3, verset 15. Yeah, est-ce Johannes, amen, c'est ça? On va laisser le temps de trouver parce qu'on veut que les gens lisent. Ah non, laissez le temps d'abord les gens trouver, de trouver. C'est pas ton cas de trouver. 1 Jean 3, 15. Das ist gut. Das ist Johannes, Kapitel 3, Vers 15. Nummer 4, Kapitel 3, Vers 15. Hier ist 15. Das lesen? Okay. Damit jeder, der an den Hab nicht verloren geht, sondern ewig. Ah, ok, elle est dans l'évangile. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Wer hat das auf Deutsch gefunden? Jeder, der seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Jeder, der was? Seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Mörder. Ist ein? Woher bin? Was? Selon nous, un meurtrier, c'est qui? Là, c'est selon Yahweh. Celui qui fait quoi? Il est un? Ok, les meurtriers ne vont pas rentrer dans le royaume. Ok, un meurtrier ne fait pas part de ses nez. La haine. Vous voyez un peu? Ah, je hasse les nez. Ah, ben, je les ai vraiment. J'ai envie de voir. Ah, qu'ils disparaissent, qu'ils meurent même. On dit non? Tu as déjà tué dans, ici. Parce que si vous continuez, on a dit quoi? Parce que qui avait fait ça?
dans les 1 Jean là. Caïn. Continue. Verset 15, après. 1 Jean 3, 15. Vous continuez à lire. Vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. Mm-hmm. Nous avons connu l'amour en 5. Hein? J'ai connu? Yeah. À ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons. Le verset 16. Oui, ça, si quelqu'un voit. Si quelqu'un voit son frère péchant d'un péché qui ne meurt. Non. Ça c'est le 16. Nous avons connu l'amour. Mm-hmm. C'est ça, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Mm-hmm. C'est Héo Chaudière qui était mort. Ok. Mm-hmm. Attendez, je vais chercher un peu. C'est... On a parlé de ce 1 Jean 3, verset 15. Il disait que comme Caïn, il a fait la même chose. Mm-hmm. Il a haï son frère. Mm-hmm. Et il l'a déjà tué où? Dans son cœur. Mm-hmm. Et après, il a pratiqué ça. Ouais, un peu. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on a fait attention. Verset 12. Verset 12, hein. Ça dit que. Toujours dans 1 Jean. Bien. Yeah. Tu peux lire? Tu l'as lu? Non, tu peux, on l'a trouvé. Toujours dans 1 Jean 3, verset 12. Mm-hmm. Je vais commencer plutôt par le verset 11. Ok. Je vais commencer plus tard. Car ce qui vous a été annoncé et. Ce que vous avez entendu dès le commencement, mm-hmm. c'est ce que nous devons, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres mm-hmm. et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Mm-hmm. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que sa œuvre était mauvaise et que celle de son frère était juste. Mm-hmm. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous aime. Mm-hmm. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, mm-hmm. parce que nous aimons les frères. Mm-hmm. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est ça, c'est Caïn qui avait haï son frère et il l'a tué. Mm-hmm. Un peu. Mais le meurtre commence déjà quand tu haïs ton frère. On a dit que le péché est couché à ta porte. Mm-hmm. Mais toi tu as signé. Domine. Parce qu'on a créé l'homme à l'image de Yahweh, ça non mm-hmm. On a dit domine sous les domine, domine, là, la domination. Vous pouvez dire non au péché. Mm-hmm. Ouais, un peu mm-hmm. Le péché a toqué. Lui a dit Vesda. Oh, c'est moi le meurtre. Mm-hmm. Tu veux qu'est-ce que tu cherches? Non, je veux que je rentre dans ton cœur pour que tu tues ton frère. Mm-hmm. Ah bon? Il a ouvert la porte. Mm-hmm. Ouais, un peu mm-hmm. Alors, vous pouvez dire que non, je ne vais pas te faire rentrer. Mm-hmm. Au nom de Yahushua, raus mm-hmm. Ouais, non mm-hmm. On a dit dehors le meurtrier. Mm-hmm. Apocalypse 22, on n'a pas terminé, on est toujours dans Apocalypse 22. On explique seulement les mots. Mm-hmm. Apocalypse 22. Ah, Offenbarung 22. Donc. Là, on a dit les meurtriers. Les idolâtres. On a parlé des idolâtres. Les idolâtres, c'est quand tu aimes quelque chose plus que Yahweh. Amen. On continue. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Il va rester, hein. Il va rentrer dans le royaume, c'est ça? Il va être dehors. Ça veut dire qu'il n'est pas membre. Il ne fait pas part de cette. Voilà un peu les choses qu'on va sortir. La liste est grande. La liste est grande. Un peu. Mm-hmm. S'ils devaient tout mettre, la Bible est tellement lourde qu'on ne pouvait pas la porter. Ils ont mis le nécessaire, mais on a la conscience en nous. Mm-hmm. On sait ce qu'on fait, si c'est bien ou pas. Mm-hmm. Ouais, non mm-hmm. Et c'est ça qu'on doit sortir. Mm-hmm. Et c'est cette église que Yeshua venait chercher. Mm-hmm. Et cette église qui bâtit, cette église qui, comment on dit, on a vu ça, édifier, bâtir, mm-hmm. construire, réparer. C'est cette église-là mm-hmm. qu'on va venir chercher. Ouais. Mm-hmm. La personne peut être en Mexique. Toi, tu es ici en Allemagne. Mais vous êtes membre de cette église. Mm-hmm. Vous n'avez jamais vu. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que vous avez répondu à l'appel et vous sortez du péché. Mm-hmm. Là, on a un peu cité quelques péchés. Mm-hmm. Parce que quand on dit péché, c'est... Bon, parce que c'est péché. Ouais, un peu mm-hmm. ouais, on a essayé un peu de creuser. Il y a beaucoup. Mm-hmm. La jalousie, la haine, l'envie, avec ce monde-là, la publicité, va te faire acheter les choses que tu ne veux même pas acheter.
Tu vois quelqu'un comme ça, comme la sœur met un truc rouge, et moi je souffle. Ah, moi je dois aussi acheter les trucs rouges là. D'ailleurs, ça ne la va pas. Moi, si c'est moi, ça va m'aller plus qu'elle. Tu vois un peu? Je mousse. À ce métier-là. Oh, on va dire un dernier mot. Il est sur table, ça ne fonctionne plus. Il est parti. Vois un peu. Le Seigneur nous appelle à sortir du péché, oui. Les traditions des hommes. Comme quoi? Un doute. On a beaucoup de cultures, beaucoup de nations. C'est une richesse que le Seigneur nous a donné. Les langues. Voilà. Mais il y a trop de traditions. Il a dit qu'il y aura un seul Père, une seule Église, une seule foi, un seul baptême, une seule espérance. Voilà un peu. Il a dit qu'il veut que les gens sortent de cette tradition-là pour qu'on devienne un. Un seul langage. Tu vois un peu? Là, si toi tu viens avec ta tradition, moi je viens avec ma tradition, est-ce qu'on va avoir un même langage? Non! Et donc, tu es obligé de se débarrasser des traditions pour accepter le langage de Yahweh. Coutume, et on a dit, la dot, par exemple. Quoi encore? Après, c'est les blacks entre les blacks, les blancs entre les blancs. Le racisme. C'est réglé chaque mois. Ouais, un peu? Carnaval. Quoi encore? Halloween. Est-ce qu'on sait même d'où ça sort ça? Mais qui fait les, faut faire les recherches, non? Ouais, un peu. Mais comment on appelle ça? Noël. Hein? On dit quoi, non? Noël. Papa Noël. C'est ça, non? Bon, maintenant, quand on dit le mot qui a été traduit par Dieu. Le mot hébreu, c'est quoi? Elle. Tu veux dire quoi? Elohim. Vois un peu? El Elyon. El Shaddai. Emmanuel. Ainsi de suite. Vois un peu? Emmanuel veut dire quoi? Dieu par Dieu. Ça veut dire que elle, c'est ça qu'on a traduit par Dieu. Vois un peu? Ok, parle anglais, c'est un peu. Nous tous. C'est un peu comme ça, ça veut dire quoi? Non. Ok. Ouais, un peu. Il dit non, elle me dit oui à sa table. Ouais, un peu. Parce qu'ils disent que c'est la naissance de qui? Jésus. Est-ce que lui, quand on, les gens là, est-ce qu'ils retenaient même la naissance? Je ne crois même pas. Ouais, un peu. De 1. De 2. Ils disent que c'était en décembre. Les Hébreux n'avaient pas le même calendrier comme nous. Le calendrier romain, ils avaient le calendrier hébraïque. Nous, on commence par janvier et le premier mois c'était avril. Vous voyez un peu? Déjà, ça. Et la Bible dit qu'au sixième mois, l'ange est venu. L'ange Gabriel est venu. Mais si tu comptes à partir d'avril, six mois, ça fait quoi? Octobre. Octobre. Bon, maintenant, si tu à partir d'octobre, tu fais neuf mois. Juillet, ouais, un peu. Ça tient pas. Vois ce que je veux dire. Et c'est aussi juillet parce que si tu regardes comment il marchait pendant la nuit. Non, c'est pas si c'est juillet, c'est Ungefeda. Parce que à la veille là, les anges sont venus vers les bergers. Et les bergers dormaient où? Voilà. Est-ce qu'ils vont mourir si c'était en décembre? C'est ça, non? Est-ce que les bergers dorment en décembre et vont dormir dehors? Non. Ils étaient dehors. Ouais, un peu. Ils ne faisaient pas froid. Et c'est comme ça qu'on fatigue beaucoup les choses. Ils ne faisaient pas l'hiver. Ouais. La parole, c'est bien, non? Elle fait pas tout, c'est ça, non? C'est bien. On ne va pas venir te dire, oh non, 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 non. Là, vous faites votre André, parce que Dieu, je n'aurais pas né là. Or que si vous vérifiez, c'est la naissance du Dieu Soleil. Mitra. Attaque même, c'est quelle date qui est suivie? C'est le 25, je crois. Voilà.
parce qu'il disait qu'il veut chasser les ténèbres, parce que c'est cela, donc, tu vois, au niveau de, il veut chasser, d'abord, c'est lui disant le compte. Ce sont des rituels, non? Et ils ont, c'est la naissance du Dieu soleil. Et c'est ça que les gens font avec le sapin, et c'est de suite. Tu vois, ben? Voilà. Et nous, sans se rendre compte, sans vérifier, on rentre dans ça. Pas que tu sois pas plaisir, ah c'est bien, tu vois, quand même c'est bien, nos enfants se réjouissent, ouais, mais les cadeaux. Moi j'aime mon enfant, est-ce que je suis obligé d'attendre jusqu'à décembre pour lui donner les cadeaux? Non. Est-ce que moi je suis obligé d'attendre jusqu'à 14 à février pour donner à ma famille une rose? Non. Hein? C'est volonté. Voilà, ouais. C'est volonté, qui le connaît même? C'est volonté. Ouais, un peu. Amen. Bien. Le Seigneur veut qu'on sorte. Ouais, un peu. On est tellement lourd. Là, vous dites que chargé. Venez décharger vous un peu cette bêtise là. Ouais, un peu. Et ça crée des problèmes. Hein? Ce jour-là, tu oublies de donner la rose, mais c'est fini. Je te dis, les femmes font souffrir les hommes. Parce que c'est tellement rentré dedans. Ouais, un peu. C'est chaud. La même de divorce. C'est chaud, je te dis. C'est chaud. Même la dernière fois, on parlait avec ma maman que on ne sait pas si ça sort d'où. Maintenant, en Afrique, tout le monde commence à fêter ça. Ok. Frère, si toi, tu es là. Ça, je fêtais ça là-bas. Non, mais. Non, à l'époque, qu'est-ce qu'on fêtait ça même là-bas? Au pays. Voilà un peu. Et ils sont branchés, hein, quand même. Ils ont essayé un peu qu'on se débranche pour se brancher à la vie éternelle. Ouais, un peu. Voilà. Amen. Amen. Qu'on sorte de tout ça. Et culture, tradition, oh non, chez nous, le Seigneur veut qu'on soit souple. On s'est dépouillé sous toutes les choses qui vont nous empêcher de vivre sa gloire. Ça nous empêche. Les noirs avec les noirs, les blancs avec les blancs, les chinois avec les chinois, et c'est le consort. Et ça va même plus pire. T'as fait congolais avec congolais, et même quand tu rentres encore, t'as fait louba avec louba, voilà un peu. Mais c'est quoi ça? Où est l'amour? Il a dit qu'il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme. C'est le contraire. Donc la désobéissance est égale à la divinité. Voilà un peu. Il appelle les gens à sortir de plusieurs choses. Ça, c'est cette église là qui va aller chercher. Tu vas répondre à son appel. Ouais, un peu. Et c'est pas facile. Hein? Mais imagine-toi maintenant, non, chez vous, on fait comme ça. Toi, tu te lèves maintenant. Non, avec pas brutalement. Hein? Mais tu oses dire que mais ça va créer la guerre. Non, mais toi, tu sors d'où toi? Tu es maudit, toi. Chez nous, depuis des années, on fait comme ça. On va aller adorer les crânes. Les crânes, là, qu'est-ce que ça va faire? Hein? Dis-moi un peu les crânes là. Tu ne crois pas que c'est déjà la sorcellerie? Toi tu veux mettre la crâne devant la femme. Mais la femme a peur, non? Quelle crâne? Mais il y a chez nous, là-bas au Cameroun, on a des tribus là-bas qui n'ont pas adoré les crânes. Ah ouais, les crânes, c'est quoi? Chez des morts. Voilà. Les crânes des morts. Ah bon? On les jette pas, mais on les coffre quelque part. Et c'est là-bas on va aller adorer les gens. Ah, mais oui, ça non? Oui, les chambres d'écran. Les chambres d'écran. Normal, la tradition. Vois un peu? C'est dégueulasse. Mais je l'ai dit. C'est pas normal. Vois un peu? Il baisse le sel, Vois un peu? Il y a plusieurs. Il y a d'autres tribus où on dit que. C'est quoi même? Quand l'autre meurt, c'est l'oncle qui prend, c'est quoi là? Vois un peu? Il y a toujours des bêtises. C'est la sorcellerie. Mais ça, c'est carrément la sorcellerie. Non, on voulait faire ça à ma mère, elle a dit non, ça c'est la sorcellerie. Quoi un peu? Mais il n'est plus pas. La sorcellerie. Et le Seigneur veut qu'on sorte de ces choses-là. Il veut qu'on sorte pour devenir une race, cette race élue. C'est clair, il dit non, pour qu'ils sont appelés, mais il y a peu des. Voilà. Sortir des traditions, des coutumes. Du monde. Ça veut dire, mes frères, tu veux qu'on comprenne la vie, on compare au monde. Non, c'est pas ça que j'ai demandé. On doit sortir du monde. Parce que le monde est la convoitise d'achèvement passé. Le Seigneur dit que celui qui aime le monde est ennemi. Se fait ennemi.
Ouais, un peu. Mmh. Mais quand il parle, il dit quoi? Il dit que donc on doit se suicider comme les Akaïda font, on quitte le monde, on va se... C'est ça? Non. Ouais, un peu. Mmh. Mais le monde a son langage. Mmh. Le monde a sa musique. Mmh. Ah, on peut décaler, hein? Mmh. J'ai la fat. Mmh. Ouais, un peu. Mais non, on n'est pas sorti, on n'est pas tombé du ciel, on était ici aussi. Ouais, un peu. Amen. Amen. On a aussi dû sortir. Mmh. C'est ça, non? Mmh. Voilà. Ouais, non? Et quoi encore? Le monde a sa façon, sa façon de vivre, sa façon de s'habiller. Mmh. Ouais, non? La sapologie. La sapologie. Mmh. Les pantalons sur les fesses. Mmh. Ouais, un peu? Mmh. On dirait que quelqu'un qui n'a pas bien essuyé. Ouais, un peu? Mmh. Il n'a pas bien essuyé, maintenant il doit faire des déranges. On appelle ça la mode. Ouais, un peu? Mmh. Laisser en l'air. Mmh. Ouais, un peu. Mmh. Et tout ça là. Le Seigneur veut qu'on sort. Mmh. Il a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Tu vois que tout le monde veut devenir métis. Ah, tout le monde veut devenir métis. Les blancs parlent se mettre dans les toasts. Comment on appelle ça? Zolario. Ils se toastent comme ça, on dit bien. Noir. C'est même pas c'est quelle couleur, mais bizarre. Maintenant, nous aussi, on va voilà, nous aussi, on va chercher les produits pour gâter la peau. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Tout le monde veut devenir métis. Mais or que la parole dit que ne savez pas que votre corps est le temple et que vous appartenez plus à vous. À vous. Maintenant, imagine-toi, hein, tu peux louer une voiture, location Europcar. La voiture t'appartient? Non. La voiture, tu l'as pris rouge. Tu roules 3 jours. Après, tu la remets bleu. Ils vont d'accord? Non. Mais c'est ça que nous, on fait, non? Toi, tu es noir, bien brun, là. Mais tu dis, non, Seigneur, tu as fait l'erreur. Moi, je vais venir comme tel. Hein? J'ai un produit pour gâter ta peau. Après, tu te plains quand tu auras des cancers. Ah, Seigneur, aide-moi, mais c'est toi-même qui as détruit l'envers ou faux. On va sortir le Seigneur des choses. Ouais, non? Et ça va t'écouter, hein? Les mauvaises comparées ni comme les bonnes. Merci. Tu vas être obligé de te séparer de tes amis. Dans le bon. Tu vas dire, mais gars, moi, en tout cas, moi, j'ai choisi un choix. Faites votre vie, moi si je fais ma vie. Je ne connais pas des ennemis, mais aller boire, chercher l'ego, là, c'est fini pour moi. C'est ça, non? Si on s'appelle, c'est bonjour, bonsoir, mais les thèmes, la compagnie, là, c'est fini. À toi aussi, tu deviens bouffon, toi, tu deviens bon. Ne te connais pas comme ça. Regarde, c'est quoi que... Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Ouais, un peu. Est-ce que tu vas résister? Et c'est là où le Seigneur veut compter moi son amour, notre amour envers lui. Tu vas chercher non, une personne qui va être pour toi. Même dans l'assemblée, hein, c'est ça qu'on l'erreur qu'on fait. Non, c'est que les frères disent c'est trop fort. Maintenant, comment je vais faire? La crème, c'est pas un péché, c'est écrit où? Et faire blanchir sa peau, c'est un péché. C'est écrit où? D'autres vont dire, mais c'est écrit où que fumer les champs, c'est un péché? Dis-moi, donne-moi un verset. C'est même les médicaments. Hmm? C'est des médicaments. Yeah, mais je dis, hein, fumer, joint, c'est écrit où? C'est écrit où? Ouais, un peu, il y a beaucoup de choses. C'est... Mmh. Ouais, vous allez dire? Mmh. Les gens cherchent des excuses pour accrocher. Mmh. Et tout ça là parce qu'ils aiment le péché. Ils ne veulent pas abandonner. Ok, le Seigneur va chercher une église qui va répondre à la paix. Il va sortir. Ça demande la séparation. Ouais? Ouais, maintenant l'église. Maintenant regardez l'église, nous, là, en fait, comment j'étais quand je partais l'église. Est-ce que c'était ça? C'était pas ça, non? Tu étais à fond dedans. Où tu jouais là? Quand je vivais là. Quand je mourais. Parce que c'est pas là qu'on vit. Quand je mourais là, ouais, un peu. Est-ce que c'est ça? Non. Quand vous mourrez aussi dans le passé, c'était comme ça? Non. Ouais, non? Mais on était là. Chaque fois on est assis, on dit qu'on part aller. L'église. Mais est-ce qu'on était membre de son église? Non. Mais il a dit, je vais chercher mon église. Sans tâche.
sans tache, ni ride, ni semblable. Amen. Irréprochable, glorieuse et sainte. C'est l'église que j'allais chercher. Verbe, c'est fort. C'est fort. Et c'est l'église à tenir. Elle n'est pas bâtie sur le sable. Mais elle est bâtie sur le roc, le fondement, Yeshua lui-même. Celui qui est la source d'eau vive. Comme le psaume, il a dit que c'est l'arbre qui est planté auprès des courants d'eau. Et ses feuilles ne flétrissent point. Et donne les fruits à sa saison. Vous allez voir, c'est quand il fait froid, tous les feuilles. Mais là, même si chaque saison, aux tempêtes, au vent, il résiste. Tentation, il résiste. Pourquoi? Parce qu'il est bâti sur le roc. Ça veut dire qu'il y aura aussi des tempêtes. Voilà. Vois un peu. Toi, tu as dit non, Seigneur, je te donne. Maintenant, on va tester si ça fonctionne, non? Ça, non? Tu n'as pas acheté une voiture pour regarder, tu vas pour tester si ça roule ou bien. Voilà, tu as demandé la foi pour qu'on teste la foi, non? Ça va marcher, ça va fonctionner, non? On va tester la foi maintenant. Voilà, tu as demandé l'amour. Maintenant, on va te piétiner bien. Tu demandes maintenant l'amour que tu as demandé. C'est ça, non? Ah non, je t'obéis, il n'y a pas de problème. Tu vois, quand tu fais un dis-moi amen. Bah, test. Par rapport au mensonge, l'erreur que beaucoup de parents font, c'est une chose banale. Les gens dans les assemblées aiment beaucoup mentir. J'appelle par exemple une soeur. Allô, est-ce qu'il y a un tel qui est là? Vous comprenez déjà, non? Vous comprenez, non? Là, l'enfant lui dit. Faut pas dire que. Il y a un homme. Ouais, non? Et ça, c'est pas les enfants, ça. Ouais, non? On m'a dit que dehors, ceux qui aiment et qui pratiquent le. En tout cas, quand tu fais, tu apprends à des enfants à faire quoi? À mentir. Tous, qu'est-ce que tu te fâches même? Hein? Dis-moi la personne que non, frère. Je calme, je suis occupé. Je suis pas disponible, est-ce qu'on peut parler après? La personne n'a pas dit naïve. C'est ça, non? Des petites choses. On doit changer. On est obligé. Parce que là, si tu veux, on est obligé. Et moi, le premier, on est obligé si on veut rester ici. Si on veut venir, qu'on vient nous chercher. Tu vois un peu? On est obligé. On est obligé. Ah non, tu vois, le tête des musiciens, quand même, il donne des conseils à sa maison, dans sa musique. Un album avec 20 chansons. Une seule chanson, il a des conseils. 19 chansons, il fait dans cette femme nuit. Tu me dis que lui, il crée le Seigneur. Et même si ce n'était même pas le cas, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ça par. Maintenant, est-ce quel esprit qui les pousse pour faire ce qu'ils font là? Parce que l'homme n'est pas vite. Vous voyez? Sorti de tout ça. Oh le look. Il y a d'autres qui sont comme ça, il y a d'autres qui sont, tu commences à couper la crête. Comment on appelle ça? La crête. La crête. Hein? Pour un dragon. Comme la queue du dragon. Pourquoi dis-nous, on appelle ça Rat Congo? Rat Congo? Moi, ça arrive au Rat Congo. On voit un peu. Pourquoi? Parce que on n'a pas, on a perdu notre personnalité. On n'a pas d'identité. On veut s'identifier à d'autres personnes. Tu vois un peu? Ok, le Seigneur nous a créé à son image. Et on a perdu l'image à cause du péché. Et maintenant, on commence à se chercher à être troublé. Comme des brebis errants et courrissiers là, courrissiers là. Tu sais si ça marche pas, tu sais si ça marche pas, tu sais si ça marche pas, pas satisfait, déception. Blablabla. Et voilà, c'est qui souffre? C'est toi. Parce que tu es fait selon toi-même. Mais reviens à Yahweh. Donne-lui ton cœur. Reviens vers le bon berger. L'Éternel est mon berger et j'ai. C'est ça. Le berger. S'il y a un bon, il y a aussi un faux. Mais on court vers le fond. On veut qu'il y ait une. On veut les choses rapidement. Comme tout va vite. On veut que le Seigneur fasse selon nos commandes. Pour qu'on oublie que c'est lui qui est le Seigneur. C'est ça, non?
comment l'église. Vous avez déjà compris que l'église n'est pas bâtie sur pierre, elle est bâtie sur le roc qui est lui-même. Il est chaud. Et l'église lui appartient. Ouais, non? Et le verset qui dit que non, le Seigneur n'habite pas dans les bâtiments faits par des mains. C'est écrit dans quel livre? Ok, c'est dans Acte. Lequel? On va chercher. Acte 7, 48. C'est ça? Ça dit. Mais les prières n'habitent pas dans le temple fait des mains d'hommes selon ces paroles des prophètes. Mm-hmm. Le verset quel, bon? 48. 48. 7, 48. Quel arbre? 48. On peut continuer? Lis encore, verset. Mais le Créon n'habite pas dans le temple fait de mes jambes, selon ces paroles de prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et le marchepied de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Quel pourrait être le lieu de mon repos? Ma main n'était pas faite toutes ces choses. Tête dure et incorcis, inconstruite, incirconcis, le cœur des deux oreilles. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tel que vos pères. Lesquels des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance l'avènement du juste, dont vous étiez maintenant devenus des traîtres de meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah par une ordonnance de l'ange et qui ne l'avez pas gardée. Amen. C'est clair. Quelle maison vas-tu bâtir? Il y a lui qui a créé tout ça là. L'univers, chaque fois on découvre quelque chose. Telle chose. On ne connaissait pas Coltan, on a découvert Coltan. Cobalt, on ne sait pas, on a découvert. C'est ça, non? On s'était là depuis. Celui qui a fait ça, il sait même que ça s'appelle comme ça. Ouais, non? Et maintenant, ce monsieur-là, qui est tellement grand, c'est Elohim qui est tellement grand, tu veux tu bâtir une petite maison, tu veux l'enfermer là-dedans, tu viens dimanche, tu discutes 15 minutes, après tu dis, tu l'enfermes, lui, il reste là-bas. That's can can it, chien. Ouais, non? That's can can it, chien. N'est-ce pas ma mère qui a fait tout ça? C'est ça, non? Mais il va habiter où? Dans nos cœurs. Mais il est saint. C'est toi qui veux qu'on se sépare, qu'on se sanctifie. Qu'on se sépare ce genre de choses. Qu'on se sépare du péché, qu'on se sépare du mensonge, qu'on se sépare de la haine, la colère, la sorcellerie. Qu'on se sépare de ça. Qu'on sort de là. Pour qu'il puisse habiter en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Or que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Yeshua. Amen. Qui habite en vous. Que vous avez reçu de lui et que vous appartenez plus à vous-même. Glorifiez donc Yahweh avec votre corps et votre esprit. Ton corps aussi. Souvent dit que non, le Seigneur, il n'y a pas l'extérieur. Regarde seulement l'intérieur. C'est faux. Je n'ai pas un poisson pour mettre à marcher comme ça. J'ai quelque chose de spécial. J'ai consacré à lui. Je n'ai pas là pour coucher gauche à droite avec n'importe qui. Vois un peu? Et c'est ceux-là qui répond à cet appel. Et ceux qui sont membres de son église. Bon, maintenant, on cherche le nom de cette église. Elle se trouve dans quelle ville, dans quel pays? Parce que là, c'est une seule église. C'est ça, non? Et elle, le nom. Tu dis? Et oui, lui-même. En tout cas, il ne nous a pas? Oui, un peu? Mais en tout cas, il a dit que tout le monde qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir? C'est ça, non? Il a dit, quand tu le reçois, tu es devenu automatiquement membre de l'église. Tu n'as pas besoin de cartes. Oh, c'est quoi, là? C'est ça, non? Tu peux être seul dans ta maison, tu on la confesse et tu délaisses. Tu as quoi? Miséricorde. Et tu obéis à sa parole, tu cherches. Tu cherches à le connaître, tu cherches à le suivre, tu cherches à l'aimer. Amen. Tu le laisses travailler dans ton cœur, tu le laisses bâtir. Te bâtir toi. Te préparer pour son retour. C'est ça qu'il veut. Il a dit que vous êtes des pierres vivantes, c'est nous, il va habiter en nous. Mais c'est à nous maintenant de répondre à cet appel-là.
Ouais, non? Il sortit de faire des choses. Il est devenu membre de Jésus. Il a dit qu'elle porte les enfers. Ne vaudront pas contre son église. Il a dit, à partir du jour où tu as dit oui à Yeshua, tu as déclenché quoi? La guerre. Donc, c'est Paulos, Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul persécutait l'église, c'est ça, non? Et persécuter l'église et Yeshua. Et quand il est parti vers Damas, il allait chercher la lettre pour aller attraper les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rentré avec la lumière. Il est tombé, la lumière l'a dit. La lumière l'a parlé. Et Paul a dit, Seigneur, qui es-tu? Et Yeshua a dit quoi? Je suis Yeshua, qui es-tu? Qui peut vaincre? Oui, un peu. Qui peut le détruire? Qui peut dire, oh, je vais faire KO, je prends le catch? Personne. Il a dit, quand tu es son membre de son église, quand la personne peut s'adresser contre toi, et quoi qui s'adresse contre toi, mais s'adresse contre qui? Quelle protection! Ni le sommeil, ni le dort. Il veille. C'est vrai que j'avais besoin d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de qui? Ouais, non? Celui qui tient le monde entier dans sa main, c'est lui qui est ton papa. C'est lui qui veille sur toi. Quelle protection, quelle grâce. Vois un peu. Et le rôle de cette église, c'est de quoi? De faire quoi? D'éclairer le monde. Vous êtes la lumière du monde et celle de là. Amen. Amen. On est là pour représenter qui notre papa. Ouais, non? Nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur fait quoi? Il représente dans un pays étranger. Ça, non? C'est-à-dire, quand nous, on veut fuir, par exemple, la police te suit, tu es Camerounais, tu rentres dans la danse, tu ouvres la porte, tu rentres dans la danse, tu es au Cameroun. Les Allemands vont attendre dehors, ils ne vont pas rentrer pour t'attraper. C'est ça, non? Et maintenant, toi qui es fils du roi de roi, qui va les attraper? Ils nous feront la guerre, mais nous vaincrons. C'est ça, non? Et tu n'as même plus besoin de traverser, j'ai fait pour pas avoir des muscles. Ça sert à rien, parce que les vrais muscles, c'est quand tu es Yahweh. Parce que quand les démons vont venir, même tes muscles, ça sert à rien. C'est ça, non? Ça sert absolument à rien. Et c'est cette église qu'on va chercher. Et les portes, comme on a dit que le nom ne nous a pas révélé, mais toute personne qui accepte et membre de son église, que tu sois dans une église locale ou pas, mais toute personne qui l'a accepté, qui a renoncé au péché et qui le suit véritablement, est membre de son église. Et son enfant. Il a l'autorité, il a le pouvoir. Vois un peu? Il a reçu. Et les portes ne pourront pas de cette église. Il y a plusieurs portes. Vous allez voir que les portes, c'est quoi? Toutes ces églises qu'on connaît, toutes ces dénominations qu'on connaît, elles sont une des portes. Les portes sont quoi? Les faux prophètes. Les portes sont quoi? Les satanistes. Voilà un peu? C'est beaucoup de choses. On a déclenché la guerre. Comme je disais, Paul allait. C'est Paul qui persécutait l'église. Et le jour qu'il a rencontré la lumière, il a changé de route. La mission a changé. Lui-même, il est devenu aussi un témoin de Yeshua. Est-ce qu'il avait insulté les gens pour qui il travaillait avant? Non. Mais comme il a accepté Yeshua, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est ennemi. Et c'est lui qu'on a commencé à vouloir le suivre. Vous voyez un peu? C'est lui qu'on a commencé à vouloir tuer. Donc c'est la protection, on a comment? Zolang. Qu'on obéit. Zolang, qu'on est en accord avec le papa. C'est ça que le Seigneur veut. Nous soyons un avec lui. Qu'on soit collé avec lui, qu'on obéisse. Qu'on sort de ces bêtises, qu'on sort de toutes les traditions. Et c'est ça qui va nous faire de nous un vrai membre. Amen. Coutumes, les traditions, les religions, qui sauve. Ni l'islam, ni catholique, ni bouddha, ni ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas.
La pierre là qu'ils ont construit en Saudi-Arabie, ça fait quoi? Les gens tournent tout. Qu'est-ce que ça fait? Ça sonne, ça fait quoi? Ça fait rien. C'est eux-mêmes qui ont construit cette pierre là, vrai ou faux? L'année, je crois, l'année surpassée, ils sont morts là-bas, ils sont partis. Et parce qu'ils s'écrasent eux-mêmes. Quand quelqu'un tombe et continue à marcher, c'est ça le problème. Vois un peu? Qu'est-ce que la pierre fait? Les totems qu'on fait, la statuette qu'on a fait, là, Jésus qui ne grandit pas depuis, les sujets de la mère de Marie, il va grandir quel jour, on ne sait pas. On a dit que Yeshua était monté sur la croix, il est mort, il est ressuscité. Mais vous avez toujours un jour sur la croix. Vous dites que non, ce monsieur-là aux yeux bleus, c'est lui qui est Jésus. Qui l'a pris en photo? Qui? C'était quel photographe qui l'a pris? Qui l'a vu? Quel appareil? Vous voyez un peu? On s'attache à ça. Il y a d'autres même qui prennent même les photos de leur pasteur qu'ils mettent. Il y a d'autres qui disent que non, Branham est Dieu. Ils mettent la photo de Branham. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle dit comme on disait qu'on ne va pas faire des images taillées. C'est ça, non? C'est ça. C'est cette église qu'on va aller chercher. Cette église glorieuse. On va le voir dans Ephésiens. On va s'arrêter là-bas. Ephésiens 5. Mmh. Ephésiens 5 à partir de verset 22, je crois. Mmh. Vous avez trouvé Ephésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme, comme Machia est la tête de l'Église. Il est son corps et donc il est le sauveur. Là, on compare la femme avec l'Église. Et comme on demande à la femme d'être soumise à l'Église, on demande au mari, on demande, c'est la même chose qu'on demande aussi à l'Église d'être soumise. En Christ, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui est la tête, das Haupt. On continue. Or, de même que l'Église est soumise au Machia, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau, la parole. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sainte sans défaut. Cette église qu'on vient chercher. Vous voyez les qualités de cette église? On a dit comme l'église est soumise. On a dit l'église, et normalement, c'est une église qui est soumise. Là, on dit que non, regarde, on dit la femme, regarde l'église, comment elle est soumise au Seigneur. Trois femmes sont soumises à nous. Tu vois un peu? On a dit l'église. Les gens qui sont ici sont les gens qui se soumettent au Seigneur. Ouais, un peu? Glorieux, saint, c'est à ce niveau-là que le Seigneur nous a mis. Irréprochable. On pouvait voir dans Luc, comment ça s'appelle? Zacharie et Elisabeth. Zacharie et Elisabeth. C'est cette église qu'on va aller chercher. Es-tu membre de cette église? Suis-je membre de cette église? C'est la question qu'on va se poser. Mieux vêtements pour chauffer les chaises. Ça sert à rien. Ouais, un peu. Moi, je me rappelle dans l'an 2000, Millennium, tellement que les médias ils ont fait peur aux gens. Les gens sont réfugiés à l'église, ils tentaient de descendre. Parce qu'ils savaient que c'est fini pour les élèves. Le Seigneur a dit que c'est son église, ça veut dire que les bâtiments vont monter avec les briques et les chaises. C'est ça qu'ils pensaient. Ouais, un peu. On a donné une fausse image. Donc, c'est toi. Quel membre de l'église, à partir du jour où tu dis tu acceptes le Seigneur, Yeshua Machia. Amen. Amen. Alors c'était un peu ça pour un bon début. Que ce soit béni. On va faire une petite pause. Et on va voir s'il y a des questions. Alors c'est bon de voir. Pas de questions. Tout bon. Tu as dit que là, je n'ai rien à faire comme elle s'est clair. Mais si il y a des questions à vous poser, c'est ce que je dis, c'est
fragen haben. Ja. Kennt ihr das? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt? Ja. Also, danke, danke. Du fährst ruhig, woher, ne? Ja. 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 Les gens qui vont aller dans cette église, c'est ceux-là qui sont sortis du péché. Mais ce sont des prédestinés. Parce que ce ne sont pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va accepter. C'est pas tout le monde qui va accepter. Ouais, un peu. Maintenant, là, on doit faire attention. Parce que certaines personnes vont dire, moi, ça sert à quoi alors? Parce que c'est déjà choisi tel. Ouais, un peu. Voilà. Le Seigneur, il est hors du temps. Ouais, un peu. Il est dans l'éternité. Ouais, un peu. Dans la zone, n'est pas tout. Et nous, on est limité ici. On a dit Anfang und Ende. Ok? On a dit, si, je suis mal. Hein? Lui, il est hors. Lui, on est à nous, on est dans le calendrier ici, 2020. C'est ça, non? Lui, il peut, lui, comme il est hors de temps, il peut regarder ce qui va se passer ici. 2025, 55. Des vaches. Il est hors. Ouais, un peu. Et comme il sait, déjà qu'il y a telle personne, même si on le prêche, je ne sais pas quoi. Et quand on se marque, il ne va pas accepter. Il le sait déjà. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées. Ouais, un peu. Il y a d'autres. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Mais sinon, on va dire, bon, c'est rien, c'est la maison, on va dire aux autres. Ouais, un peu. Mais ce n'est juste. Là, je choisis elle. Non, des vaches, qui va accepter, qui ne va pas accepter. Mais c'est là qui est le plus difficile. C'est pour ça pour nous, comme nous on ne sait pas. C'est bien pour nous. Parce que toi tu savais, tu vas te diriger direct vers tel, tu vas appeler l'autre. On est obligé de prêcher qui? Tout le monde. Ouais, non? Parce que c'est les choses cachées à lui, les choses révélées, c'est là, à nous. Tu vois, non? On ne peut pas jamais dire, je peux n'arrêter. Tout le monde est mauvais sur ça. Moi, ce que les états révélés, mais on va voir que ce sont des signes. Aussi longtemps que la personne souffre, c'est jamais trop tard. Le monsieur à la croix, c'était avant de mourir, non? Le monsieur qu'on a connu, c'était avant de mourir, non? Il avait seulement le souffle, il restait. Il ne devait que parler. Amen. Il avait encore le souffle. Ouais. C'est dans ce sens-là. Et voilà, le Seigneur est amour. Il a dit que le Seigneur veut que tous, si c'est possible, tout le monde qui revienne à lui, avoir vie exacte. Le choix, c'est dans la liberté. Il ne veut pas nous diriger par la peur, il veut non, par amour, que je le fasse par amour. Que je réponds. Fafa, Fafa, y'a papa. Tu as peur? Fafa, reste nous, je vous fais pas comme ça, tu as peur? Ouais, non? Mais que ce soit par amour, ça te fait du bien, non? En tant que parent, enlève un peu les chaussures. Non? C'est moi les chaussures, hein? C'est rien de grave. Mais parce qu'on n'a pas obéi, ça te fait du bien, non? Parce qu'il n'a pas seulement obéi à enlever les chaussures, là. Tu peux même oser, ça te met la colère comme un peu. Voilà, mais et lui maintenant, il veut qu'on fasse par amour. Ouais, non? C'est ça. Un verset qui me vient, avant de couper, par rapport au mensonge. Avant qu'on termine, Actes des Apôtres, verset chapitre 4, les 5. À partir du premier verset, Actes des Apôtres, chapitre 5. Après. Vous pouvez trouver? Maintenant, du nom de Chananie, Ananias, avec sa fille à sa femme, vendit une propriété et détourna une partie des prix avec le consentement de sa femme. Et en ayant apporté une partie, il la déposa aux pieds des apôtres. Mais Pétrus lui dit, son ami, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et détourné une partie du prix
de la terre. Si tu l'avais gardé, l'intérêt resterait-elle pas? Et vendu n'est-elle pas à ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à des hommes. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé après? Continue. Et en attendant ces paroles, Chananiah tomba et expira. À cause de quoi? À cause du mensonge. Ouais, un peu. Ouais, un peu. Ah non, la grâce. Ouais, attends, la grâce. Là, c'était déjà la grâce. Hein? Ouais, tout est déjà accompli, non? Tu vois, déjà déchiré. Là. Ah, la grâce. On peut faire ce qu'on veut. Dieu est grâce. Grâce sur grâce. Hein? Super grâce. Voilà. Non, c'est pas comme ça. À cause du mensonge. Eux croient qu'ils mentaient un homme. Ouais, un peu. Ils sont mis ensemble. Moi, c'était dans la liberté. Ils ont dit qu'on va vendre nos possessions, on va donner. C'était à eux. Je veux dire que non, il y a mon âme dans ce ballet. Être clair. Ils ont détourné. Ils ont voulu mentir. Lui et sa femme, ils sont mis ensemble. Ils ont menti. Ils croient qu'ils mentaient un homme. Mais Pierre a dit, pourquoi vous mentez au Saint-Esprit? Le monsieur est mort. La femme est revenue. On a demandé à la femme. La femme aussi, je ne sais pas si la meilleure, monsieur l'avait dit, si tu dis, je te gifle. En tout cas, on ne sait pas, mais elle a répondu comme ils sont mis ensemble. On a dit, tu vois ton mari là, voilà les gens qui viennent d'enterrer ton mari. Toi aussi, tu vas les suivre. Par aussi, elle est morte. Or, ils étaient aussi membres de l'église. Mais, à cause du mensonge, tu vois un peu? Un peu de l'avait fait lever là, la pâte, un seul péché peut nous faire entrer le ciel. Ne blagons pas avec le péché. Mais on a été déterminé pour le royaume. Tu veux le sens qui est pour notre prochaine. C'est ça. On va faire une pause et on va continuer.